Bonjour et bienvenue en Pays Catalan. Ici, on est chez Pierre-Henri de la Fabrègue au domaine de Rombo à Rivesaltes. Et si je suis là, c'est parce que les cadres catalans font de votre établissement un endroit préféré. Ils viennent souvent vous voir. Oui, on travaille ensemble assez souvent. J'étais déjà au cadre catalan de Paris et maintenant, je les reçois ici et je les connais tous très bien et on est content de se voir. Donc on va aller voir le président des cadres catalans de Paris qui est avocat là-haut, il s'appelle Pujol, c'est ça. D'accord, allez, on va aller les voir. Le fils d'Étienne Pujol qui a une grande salle de vente très connue ici. D'accord, voilà, le commissaire priseur. Voilà. Allez, on va aller voir les cadres catalans de Paris. Alors ici, je suis avec Jérôme Pujol. Jérôme Pujol, c'est le président, donc c'est dans la continuité de la troubade des cadres catalans. Ici, cette fois, on est au domaine de Rombo. Et je suis avec Jérôme, je vous présente Jérôme Pujol, le président des cadres catalans de Paris. C'est ça? Absolument, bonjour à tous, ravi de vous compter parmi nous pour ce soir. Ça fait combien de temps que vous êtes président de l'association? Depuis 2011, c'est donc la cinquième année. Et là, vous avez réuni les cadres catalans chez Pierre-Henri de la Fabrique pour leur annoncer une nouvelle impressionnante. Dites-nous, c'est l'Hermione. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'Hermione. Oui, alors en fait, la vocation de l'association, c'est évidemment de soutenir le département par des actions économiques, culturelles ou sociales. Évidemment, un point important, c'est l'économie, parce que Dieu sait que notre département en a besoin. Et là, il y a un des projets que l'on porte, c'est peut-être faire venir l'Hermione qui prévoit de faire un voyage en Méditerranée en 2018. L'Hermione, c'est un bateau emblématique qui était le bateau de Lafayette partant de France pour aller aux États-Unis. Les jeunes qui ne connaissent pas Lafayette, c'est lui qui a inventé notre drapeau bleu-blanc-rouge. Quand même, voilà. C'est lui qui a décidé la réunion des trois couleurs nationales, bleu-blanc-rouge, et donc qui a combattu aux côtés des Américains pour leur indépendance à la fin du XVIIIe siècle. L'Hermione, c'est le bateau de Lafayette. C'est le bateau qu'il a pris pour aller aux États-Unis, aider Washington et les insurgents à devenir indépendants. C'était le début d'une grande aventure au moment où la marine française, la marine royale, était au sommet. Voilà. Et donc, ce bateau a été reconstruit, il a fallu 20 ans pour le reconstruire, donc c'est un travail admirable. C'est un bateau unique en son genre, évidemment, et qui, avec lui, draine toute une image et tout un support médiatique qui permettrait au département d'être mis en valeur. On sait qu'on a, dans le département... Voilà, donc, Hermeline Malherbe, on compte sur vous pour soutenir les cadres catalans de Paris et nous aider à accueillir ce magnifique bateau à Port-Vendres. On compte sur le Conseil Général, mais sur l'ensemble des élus, sur l'ensemble des forces aussi privées, les entreprises. On a un pôle nautique très important, donc toutes les bonnes volontés. Et les cadres catalans de Paris apporteront leur contribution à la hauteur de ce qu'ils pourront faire, mais avec grand plaisir, beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Voilà, merci président, et puis merci donc vous. On vous souhaite un bon appétit. Merci, hein, et bon été à tous, et à très bientôt.